Ézéchiel, un adolescent en fauteuil roulant, et sa sœur rentrent dans la médiathèque. La petite fille rend ses livres aux automates de prêt. Ézéchiel prend l'ascenseur avec Amandine, une bibliothécaire, qui pousse son chariot de livres. Il sort de l'ascenseur au deuxième étage. Ici, il choisit ses mangas. Amandine va ranger des DVD. Dans cet espace, une adulte regarde un film sous-titré pour sourds et malentendants, pendant que trois adolescents lisent sur des liseuses et que l'un d'eux grossit le texte. On suit la bibliothécaire qui prend l'ascenseur pour aller ranger le reste de ses livres au premier étage dans l'espace Lire autrement. Ici, elle conseille un roman en grand caractère à un lecteur. On aperçoit dans cet espace Lire autrement des romans en grand caractère, des livres pour dyslexiques et des livres audio. Assis au milieu de cet espace, un adolescent aveugle écoute un livre audio en format DAISY sur l'appareil d'écoute adapté à ce format. Amandine retourne au rez-de-chaussée et croise deux adultes qui lisent et échangent autour des livres de l'espace facile à lire. L'une d'elles ouvre une petite mallette pour découvrir d'autres livres faciles à lire. Elle semble ravie de partager ce moment de lecture. Ézéchiel sort de l'ascenseur et rejoint sa sœur à l'espace jeunesse au rez-de-chaussée en utilisant la rampe d'accès. Un groupe d'enfants lit ou écoute les histoires en langue des signes. On découvre les éditions Jeunesse Accessible avec deux bibliothécaires. Des histoires en braille, à toucher, en macathon, avec des pictogrammes. Ézéchiel et sa sœur, que nous suivons depuis le départ, retournent à l'accueil de la médiathèque et empruntent leurs documents aux automates de prêt avant de partir. L'équipe de la médiathèque Le Châtelard et les élus de la ville de Ferney-Voltaire remercient chaleureusement toutes les personnes qui se sont prêtées à l'exercice de cette vidéo réalisée dans le cadre de la promotion du fonds accessible de la médiathèque.